Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GTA 5. Désolé s'il y a un bruit de fond, un petit bzzz. C'est ma plaie qui est en train de cracher ses poumons. Alors dans cette vidéo, ce sera très simple. On va faire des carnages ou un seul si j'arrive pas à mourir. Mais bon, je ne pense pas au couteau. On m'a beaucoup dit, Coty, s'il te plaît, fais un petit peu Jacques l'Éventreur. Et ventre tout le monde, j'ai cherché le mot dans ma tête. Bref, attendez, info, carte, boum. Voilà, donc on va faire une vidéo spéciale au couteau. Mais avant de commencer celle-ci, il va falloir aller dans une armurerie acheter un couteau. Parce que je ne l'ai pas avec ce personnage, je l'ai qu'avec Michael. Et j'ai envie de le faire avec lui, parce que j'adore Franklin, personnellement. C'est mon préféré. En plus, avec un magnifique véhicule. Oh oui, il est magnifique celui-ci. Alors, d'ailleurs, vous pouvez aussi laisser un petit like si vous aimez cette voiture. Si vous aimez pas, bah, vous pouvez quand même laisser un petit like, ça ferait très plaisir. Et je remercie une nouvelle fois toutes les personnes. Je sais que ça va être répétitif pour vous, mais moi j'adore remercier les gens. Parce que c'est bien de remercier quand même. Putain, je prends sens inverse. C'est quand même bien de remercier les gens. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like, ça ferait très plaisir. À me dire ce que vous voulez voir dans de prochaines vidéos. Si possible, des choses que je n'ai pas encore faites. Il y a des fois des personnes qui me disent « Ouais, s'il te plaît, Coty, fais du quad, fais du vélo. Fais... » C'est déjà fait. En priorité, ça serait bien de faire des choses que je n'ai pas encore fait. Voilà. On est d'accord. Donc voilà, à vous de me dire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de finir? Ah oui, la question du jour de cette vidéo sera très simple, c'est vous mesurez combien? Moi personnellement je mesure 1m82, voilà. On continue un petit peu avec la semaine des questions sur vous et sur moi. Hein. Donc pour l'instant, c'était quoi la première question déjà? C'était l'âge, j'ai 26 ans, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis assistant de production à Skyrock et ma taille 1m82, donc à vous de me dire. Vous mesurez combien, comme ça, à la fin de la semaine, on saura tout sur tout entre vous et moi, parce que ça me permettra aussi de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, parce que je lis bien sûr tous les commentaires. Ça, j'adore lire vos commentaires, c'est une chose qui me fait vraiment très plaisir et chaud au cœur, j'ai envie de dire même. Commissariat. Oula, un petit peu trop sec, oh, pas mal. Pas mal du tout. Et on va arriver. Pour une fois que je fais une route sans prendre un pet, c'est magnifique. Ok. Alors l'armurerie elle est... non elle est pas ici, elle est... Pardon. Putain, tu vas vraiment te faire écraser. Alors, pour cette vidéo, on va acheter pas mal de choses. D'ailleurs, dès le début, on va acheter... attendez. C'était le plus résistant. On va acheter aussi ici et bien le couteau, parce que c'est une vidéo spéciale au couteau. Je sais que plein de personnes me demanderont d'autres trucs, mais non, ça c'est une vidéo vraiment au couteau. Et puis c'est tout. D'ailleurs, on va changer un petit peu de tenue, on va acheter une nouvelle tenue. Allez. C'est un peu nul comme ça. Mais on va quand même se mettre comme ça. Hop. Genre en mode chasseur avec... J'ai l'impression de me prendre des coups de couteau dans le dos. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis peut-être un petit peu fou. Alors, est-ce qu'on a le couteau? Oui. Eh bien, quoi de mieux de commencer que sur cette personne? Ça... Oh putain, t'as la même casquette toi, j'aime bien. Tu me la prêtes? Tu me la prêtes? Oh mais... Dans le cœur. Dans le cœur. Et un coup de pied. Et je te vole 13$. J'espère qu'il y aura du monde ici. Hein. J'ai l'impression que je vais galérer. Que tous ceux qui sont dehors viennent à moi. Un coup de couteau gratuit et de la partie. Allez, venez. En fait, je suis dans le quartier le plus pourri du monde. Voilà. Hop là! Qu'est-ce qu'il y a? Oh toi! Vite! Oh putain! Oh je me suis fait défoncer! Il m'a mis un coup de poing balayette et m'a enchaîné. Oh merde! Connard! Pardon, excusez-moi. C'est mal d'être impoli. Premier conseil de la journée, ne jamais être impoli. Y'a que moi qui peut, mais y a de quoi. Désolé, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, parce que je suis fatigué, il est 1h15 du matin,
Et pour tout vous dire, j'ai mal au cou. Et non aux couilles. Oui, je sais que je suis un petit peu vulgaire. Et comme je dis dans pas mal de vidéos, le jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Du coup, eh bien... Oh là là, elle est magnifique ta voiture. Ok, tu veux pas la prêter, c'est pas grave. Coty, il va prendre un truc qui est magnifique. Vous savez c'est quoi? C'est une moto. Et je vais aller quelque part où ça va être pas mal. Attendez, il est où? Il est où? Voilà. Petite moto, on va se mettre dans un quartier où il y a du monde, c'est-à-dire à la fête foraine, encore une fois. Vu qu'on y est parti il y a pas longtemps. On va aller à la fête foraine plutôt que la plage. Ce sera dans une prochaine vidéo, voire sans vous spoil la prochaine, où ça va être assez pas mal du tout. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoil, mais c'est pas mal. Un petit trou. En fait, non, j'étais même pas en train de faire une roue. Excuse-moi, pas fait exprès. J'ai l'impression que le son de la les musiques sont très basses aujourd'hui. Attendez, il faut vraiment que je regarde les chansons parce que... Attendez, je vais peut-être augmenter un petit peu le son dans mon casque. Voilà. Peut-être le son dans mon casque est un petit peu bas. Je sais pas. Allez. Ah voilà, là j'entends mieux. Je pense que vous aussi. Allez, là je vais vous montrer franchement un Coty Don Ghetto. Regardez bien. Je suis assez bon en moto. Hors vidéo bien entendu. Parce que dès que je fais une vidéo, je joue toujours comme une merde. Je me prends des voitures que je ne me prendrai jamais quand je joue pour m'amuser hors vidéo. Parce que je m'amuse beaucoup hors vidéo si vous voulez savoir. Surtout dans ma console du salon parce que... J'ai une console dans mon salon et dans ma chambre. Celle dans ma chambre, elle me sert pour capturer les vidéos. Et celle dans le salon, bah, juste à s'amuser avec mon frère. Qu'on vole souvent les Boeing. On va dans la base militaire. En fait, maintenant, je sais me... Comment dire? Putain, je trouve plus mes mots. Je sais y aller bien comme il faut et tenir au moins 2 minutes. Donc, je vous ferai des vidéos aussi sur ça. Ça s'appellera... Base militaire, la revanche. Oh là là. Et là, c'est pris un coup de ma roue arrière. Attention. Alors. C'est pas de prostituée, ça. Are you prostitute? Allez me répondre. Oh, viens. Oh. Avec tes grosses fesses. Pardon, excusez-moi. Quand je rigole, ça fait un petit peu peur, n'est-ce pas? Elle, je vais lui mettre un de ses coups de schlap, de pied, pardon. Voilà. Ça me fait rappeler un peu American History X, quand il prend son pied là et qu'il lui explose la mâchoire. Bon, à la base, c'est un petit peu l'inverse, c'est le blanc qui fait ça sur le black. Putain, merde. Vite, vous connaissez pas Coty, l'égorgeur. Vite. Allez, on y va. J'aurais peut-être dû faire le code pour courir vite. Ça aurait pu être pas mal du tout. Parce que là, je risque de vite me faire allumer. Il court un peu aussi vite que moi. Ah, c'est bien qu'il court moins vite maintenant. Allez. Tous à l'abattoir. Comme ça, vous venez tous là-bas et vous aurez aucune chance de vous échapper. C'est encore mieux, voilà. Ah, merci, toi, 16$. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, t'as un uppercut au couteau, quoi. Toi, je te perce le bide. Et elles, on va les faire un spécial. Un spécial? Oh putain. Ma garce. Ouh. Ah, tu veux vivre. Bien sûr, ne reproduisez pas ça chez vous. On est d'accord. Qu'on me dise pas de moins infos qu'une personne a été tuée par coup de couteau
à cause de Monsieur Cody. Ça serait dommage. Par contre, je compte faire une vidéo bien prochainement, une vidéo, un petit débat qui s'appellera Les jeux vidéo rendent-ils violents ? Ou GTA V rend-il violent ? Voilà. Et je donnerai mon point de vue. Je vais pas le dire maintenant, que sinon ça va spoiler la vidéo. Mais voilà, on va faire ça. Elle avait pas un trou dans la tête, elle ? Tu veux pas te retourner, s'il te plaît ? Non. Il y a une petite musique qui s'est mise. Allez, je me barre ! Cody, il se barre ! Il fait des esquives. Il va pas mourir. Cody, il meurt pas, Cody. Moku, il meurt pas, Cody. Comme une merde. Bouh. Ah, je suis déçu. Je suis très déçu. Je suis déception, comme dirait Code Jordan. Parce que j'aime bien dire la personne qui m'a fait penser à cette phrase. Parce qu'après, on dira « Ouais, plagiat, Cody !» Que maintenant, si vous dites un mot, vous plagiez quelqu'un. Attention. Alors là, ce que je vais faire, c'est... comme d'habitude. Excusez-moi. Alors. Voilà, comme ça, là, je vais vraiment pouvoir... Voilà. Une grosse vilaine. Et n'hésitez pas à compter, à partir de maintenant, combien de personnes je vais tuer. Voilà. Et de me dire, à la fin de la vidéo, sur cette partie, hein, non. Jusqu'à que je meure, vous devez compter combien de femelles... Parce que là, c'est un peu le quartier des femmes, on dirait. Je pense... Oulala, elle a vraiment pris cher. Je pense qu'ici, c'est le quartier des lesbiennes, si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper. Ou des gays. Non, même pas, c'est une femme. Elle. Enfin, lesbienne, c'est gay. Tu t'amuses à courir contre un panier, toi ? Attendez. Oh shit! Magnifique! Oh! Merde! Voilà. Comment je vais mourir comme une merde à cause de. Attention le camion! Connard! Voilà, 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 voilà. Oh, je m'en fous! Oh, merde, la grenade à côté! Elle va exploser! Explose ou pas? 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 Eh bien, non. Donc, combien de personnes j'ai tué à votre avis? Moi, je dirais 6 ou 7. Mais je me trompe peut-être. Allez, une petite dernière avant de s'arrêter là, parce que, comme je vous l'ai dit, les vidéos à thème comme celle-ci sera un peu plus courte. Pourquoi ? Parce que je suis malade, j'ai des petits problèmes de santé, du coup, je peux pas trop assumer de faire des longues vidéos. J'espère que vous comprendrez. Si vous comprendrez pas, enfin, si vous comprenez pas, excusez-moi, faut que je parle français moi aussi, eh bien, ça, c'est dommage. Mais bon, je vais mettre un autre code pour que vous puissiez vous amuser en même temps. Alors. Voilà. Comme ça, ça met un petit peu couteau explosif normalement. Voilà. Donc maintenant, j'ai une arme qui s'appelle le couteau explosif. Vous connaissez pas ? Oh, toi, tu vas te le prendre le couteau. Même si j'aime beaucoup comment t'es habillé. Oh. Allez, cassez-vous ! Oh my god, j'aurais dû commencer comme ça depuis le début. Allez mes petites filles, venez voir papa. J'aurais le compteur vert. Oh putain. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je couche. Elle, je me la ferai. Pas l'arrière. Ouh. Allez, salut. Oh, magnifique voiture. Ils m'ont pas vu. Tranquille. J'ai l'impression de tuer que des femmes. Très sincèrement, j'ai vraiment l'impression de tuer que des
femme. Mais viens là, toi. Oh putain, le taxi, comme il roule vite. Après, faut dire que ceux qui font taxi, ils n'ont jamais eu le permis, donc forcément. Tape pas dans le vide, chérie. Eh, tu vas pas te louper contre une grosse. Voilà. En plus, on avait beaucoup de thunes. La DK 4 étoiles, je me barre en voiture. Dis-moi si j'arrive. Ouh là là, salto avant. Donc, il s'est fait écraser. Mais elle est pas morte. T'as bien de la chance. Et voilà. Oh, skatepark. Oh, je sens que cette vidéo va finir de toute beauté. Oh yeah. Voilà, on va la finir comme ça cette vidéo, les amis. En course poursuite, en vélo. Ouh. Je vais aller à Trix. En espérant que je vais peut-être pas mourir. Attendez. Ouh. D'ailleurs, c'est grâce à vous, abonnés, que je sais comment on fait des sauts en voiture. Putain, merde, au secours. Allez, on recommence une dernière. Je pense que vous voulez vous aussi une petite dernière. Allez, une dernière. Allez. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, ce sera vélo. Mais il faut bien faire attention. C'est vélo. Voilà. Donc, j'ai vraiment l'air d'un paysan comme ça avec cette tenue, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et... voilà, parfait. Allez, viens là, ma belle. Toi aussi. Là, on va aller dans l'autre coin de la ville. Voilà, on va passer plutôt par là. Si, dis pas non, monsieur Coty. Si tu dis... Oh putain, l'esquiver. Oh, ta petite culotte. T'es une coquille, en fait. Hein, hein, hein. Attention, ambulance. Ça serait con de me faire écraser par une ambulance. Oh, lui, il va se prendre un coup de pied. Il va se prendre un coup de pied. Oh, putain de merde. J'ai pas vu qu'il y avait des flics. C'est-à-dire que je regarde pas grand-chose. Là, je pense surtout à tuer mon prochain. Oui, parce que moi, je suis un bon citoyen. Je pense... Oh, un hamburger. La mienne. Caserne de pompiers. Oh, jamais j'ai été. Jamais pris un véhicule de pompiers. On va essayer d'en prendre un. Bah alors, t'accélères pas? Oh, c'est quoi ça? Dites-moi pas que vous pensez à ce que je pense. Moi, quand je vois ça sortir de ce trou, je pense à une chose tout de suite. Mais je pense être le seul à penser à ça. Je suis un petit peu trop pervers, je pense. Que franchement, à part pour éteindre le feu, mais un autre une autre sorte de feu, je vois pas à quoi ça servirait. À part sa démission spéciale avec les pompiers. Genre cinéma. Pourquoi je chante Indiana Jones dans une vidéo de GTA? Je me le demande. Oh oui, je conduis bien hein, avec cette vue. Limite un jour ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de faire une vidéo spéciale avec cette vue? C'est-à-dire, j'arrêterai pas cette vue. Je resterai toujours appuyé sur rond, genre vue cinéma. Et puis là je me débrouille bien, je trouve. Je me débrouille même très bien. Sincèrement, je suis... Ah bon, bah là, mais je suis assez fier de moi. Je déverse mon fluide partout. Allez. Et vous remarquerez bien que je me plante seulement quand je change de vue. Pourquoi il nous ramène toujours à la fête foraine? Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Mais on va finir à la fête foraine parce qu'on avait commencé le charcutage là-bas. À part si vous voulez que j'aille faire un tour à la plage vite fait. Allez, on va faire un petit tour à la plage pour faire une preview de ce qui se passera dans de prochaines vidéos. Allez, salut !
Ah oui, venez à moi. C'est ça. Tout ce que vous aviez à faire, c'est venir par ici. J'ai l'impression d'être un gros prédateur sexuel. Attention, Monsieur Coty, il saute. Ousse, merde. J'entends les femmes qui font du jogging, mais encore plus celles qui meurent. Merde, gros fail. Ah. Et je vais pas trop en faire parce que cette vidéo-là, ce sera vraiment une vidéo bien particulière. C'est moi ou c'est le véhicule de Alerta Malibu? Hein? Alerta Malibu? C'est à toi? Ah, tu vas appeler le maître nageur? Salope. En fait, ce que je voulais faire, c'était surtout récupérer la trousse de soins. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire le con un petit peu plus longtemps. Oh, des jet skis, des bateaux, des gens qui parlent. D'autres qui meurent. Ah, vous vouliez jouer au jet ski, hein? Bah attendez. Jet ski spécial Coty. Viens voir. Toi, tu m'énervais. Oh, petit là. Lui, ça veut dire un truc, il devait vivre. S'il a esquivé tout ça. Allez, on va prendre le véhicule d'Alerta Malibu. Et on va faire le tour de la plage. En preview de ce qui se passera très prochainement. Faites bronzette, il vient plus maintenant. Allez, ma belle, oula, t'as eu de la chance. Toi. Ah, ça fait mal, hein. Et toi alors? Ça fait mal, hein. Allez, une petite doublette. Yahoo! Let's go! Oh shit! J'ai pas vu les marches. Eh bien, c'est quoi ça? The climate is not changing fact. Ok, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est bon ou c'est des urinoirs? Non. Ah, du monde à la plage aujourd'hui, hein. Ou pas? Venez là, mes petites bêtes. Oh, t'es sexy, cougar, toi. Oh, ça va? Elle, qu'est-ce que je vais lui faire? Allez, salut! Allez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Parce que là, je sens que sinon, je vais partir en freestyle sur la plage. Et je préfère vraiment garder ça pour une vidéo bien spéciale où je ferai le con avec tout ce qui va avec. Je sais pas si je ferai juste uniquement plage ou plage plus véhicule, on verra bien. En tout cas, attendez, je vais courir, je vais me cacher dans le véhicule de sauvetage, voilà, allez, ou de surfeur au choix. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, sinon je vais mourir. Attendez, vite, on se barre. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est je vais les provoquer. Allez. On n'est pas Coty qui veut. Voilà. Voilà. Mathé, elle a fait une sorte de frise bizarre. Voilà. Allez-vous. Salut. Ok. Je suis mort, c'est pas grave. Bref, les amis, je compte sur vous pour mettre un petit like à cette vidéo si ça vous a plu, à me dire ce que vous voulez voir dans de prochaines vidéos. Et sinon, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et puis c'est tout. Salut.